La probabilité de qualification, elle était à l'avantage des Parisiens avant le match. Elle a bougé. Est-ce qu'elle est déficitaire? Elle s'est inversée, oui, évidemment. Inversée, ouais. 58%. 58% de probabilité pour Dortmund. Tout est possible. Heureusement qu'il n'y a qu'un but d'écart. Cette moue Non. Il est serein, Samir. Je pense toujours que Paris pourra se qualifier. Non, pour moi, non. 1-0, c'est pas... C'est insurmontable. Oh. Paris l'a fait en 2020. Souvenez-vous, contre Dortmund, ouais. Il y avait eu une défaite dans un stade en à Dortmund, mais il n'y avait pas eu de public au Parc des Princes. Mais Paris avait inversé la situation face à mais cette Paris a les moyens. C'est clair qu'ils ont les moyens à domicile de renverser cette équipe. Ils n'ont pas fait le match parfait en plus ce soir. Donc je me dis que s'ils font vraiment un très très bon match, ils sont capables de retourner la situation. Dortmund a été poussé ce soir par un public incroyable. C'était impressionnant. On y sera. On y sera mardi, en direct du Parc d'ailleurs. Pour ce match retour. On était sur Dembélé, Habib, Paul. Est-ce qu'on peut dire que il est retombé dans ses travers en ce qui concerne en tout cas la finition ce soir? C'est frustrant et difficile parce que Dembélé, il a longtemps incarné la seule menace offensive du Paris Saint-Germain, notamment dans une première période assez pauvre où il a été le seul à provoquer Habib Bey, on a la séquence de la caméra isolée de Ousmane Dembélé où on l'a vu déjà en première période être le premier par exemple à frapper au but. Oui, c'est sûr, mais je pense que pour moi il n'y a qu'une occasion qui doit convertir ce soir, celle qui... Et sur le petit ballon de Mbappé, c'est surtout un bel arrêt de Kobel. Le ballon est sur lui. Je trouve que le centre en retrait, par contre, là, il doit la mettre au fond parce qu'il a la qualité avec son pied droit pour la mettre au fond. Par contre, c'est je trouve son placement qui m'interpelle sur la première période. C'est-à-dire que c'est lui enlever une énorme qualité de le placer constamment à l'intérieur. L'occasion voilà. De vous parler tout à l'heure. Voilà, c'est celle-ci. Celle-ci, pour moi, il doit la mettre au fond. C'est peut-être la seule qu'on peut lui reprocher. Les autres, il a tenté sa chance. C'est pas des occasions faciles à mettre. Celle-ci, il était. Mais son placement en première période l'a empêché en fait de vivre ce moment-là sur le côté en un contre un. On l'a vu en première période, rappelez-vous ce centre oui. Où Barcola est un petit peu fixe dans les 5-50. Et puis la deuxième mi-temps était un petit peu mieux pour lui parce qu'il a été replacé, je trouve, différemment dans cette seconde période. Habib est raccord avec Laure sur ce choix de placer Dembélé à l'intérieur du jeu. Ça a été mieux lorsqu'il est revenu sur le côté hein. Oui, parce que je trouve qu'offensivement, justement, la fixation ne s'est pas faite pour permettre de libérer le couloir pour Hakimi. Et au contraire, je trouve que ça les a mis un petit peu en difficulté, notamment dans les zones de pressing, parce que quand il a ce placement dans l'axe, c'est Zaïre Emery qui doit sortir sur le latéral. Et en fait, ça libère tout l'espace pour Brandt. Donc je le préfère quand il est sur le côté droit. Luis Enrique a dit de lui que c'est le joueur le plus déstabilisant au monde. Laisse-le sur mais le côté, un contre un. Mais pas dans l'axe. Ah, exactement. En fait, quand on a Barcola et Dembélé, c'est utiliser justement les espaces sur les côtés pour donner de la place à des joueurs qui vont rentrer, même Hakimi peut rentrer dans l'axe, mais c'est lui qui va faire la différence en un contre un. Mbappé, tactiquement, il s'est raté. Mbappé, mis à part le poteau, qui s'est créé, une grosse occasion, il a eu du mal à peser, hein, vraiment. Il a été plutôt discret, c'est vrai. Après, il manquait de profondeur. On sait que Mbappé, il a besoin aussi d'espace, et je trouve que Dortmund aussi a bien joué le coup. Mais il va falloir qu'il fasse bien mieux pour ce match retour. Et puis peut-être que le positionnement de Dembélé aussi dans l'axe ne lui a pas permis de trouver cette profondeur. Alors que s'il avait eu aussi Dembélé à droite, il aurait pu aussi réceptionner des centres. Il a eu très très peu de ballons à exploiter. Prise à deux constante. Sur Barcola, sur Mbappé, sur Dembélé, prise à deux, tout le temps. C'est les milieux de terrain qui doivent créer le surnombre justement pour apporter du soutien à Mbappé ou pour lui donner des ballons. La chose que Vitinha faisait bien ces dernières semaines où il se projetait vers l'avant, où il rayonnait techniquement au milieu de terrain. Aujourd'hui, le milieu parisien n'a pas été souverain. Donc forcément, Mbappé, il n'a pas les mêmes prestations. On va donner la parole à Habib tout à l'heure sur Mbappé, mais je vois que Nuno Mendes vient d'arriver avec Charlotte. Nuno, qu'est-ce que vous retenez de ce match? Comment vous expliquez cette défaite et notamment les difficultés que vous avez rencontrées aujourd'hui? Bonne nuit. Foi un jeu difficile. Un match difficile. On savait que ce serait un match difficile, vu qu'ils jouent à la maison, avec leurs supporters. On a tenté de tout faire pour gagner ici. On n'a pas réussi, ils ont marqué en premier. Ensuite, on courait après le résultat et on n'a pas réussi à marquer le but. Mais on va tout donner au prochain match. Quelle était l'ambiance dans le vestiaire à la fin du match? Est-ce que vous êtes plutôt confiant tout de même pour renverser la situation dans une semaine?
Si, si. Oui. Il reste encore 90 minutes. On sera 11 contre 11. On va tout faire au prochain match pour gagner avec le maximum de motivation et on va tout faire pour gagner. Nuno Mendes, Habib, vous vouliez réagir sur la position de Mbappé et le match d'Mbappé peut-être ce soir? Non, je voulais réagir, mais juste avant que Samir donne son analyse, surtout sur la capacité que les milieux de terrain parisiens, donc je suis un petit peu du même avis, pouvaient donner ces ballons à Kylian Mbappé, Vitinha, Fabien Ruiz. Et le placement de Dembélé avait été aussi mis là sûrement pour le servir sur la profondeur. Cette profondeur, elle n'a pas existé en première période, donc il a dû décrocher, il a été dans le décrochage, beaucoup dans le petit jeu. Et malheureusement, je trouve qu'on n'a jamais exploité cette profondeur, parce qu'elle a existé de temps en temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dortmund a été très très haut, ils ont eu la possession, et on n'a jamais été visiter le dos des centraux de cette équipe allemande. On est rentré dans une hyper-possession qui a empêché sûrement Mbappé de s'exprimer, mais je rejoins l'analyse globale, il doit être meilleur dans un match comme celui-ci. Mais je trouve qu'on ne l'a pas servi non plus pour qu'il soit le joueur qui fait la différence dans cette profondeur. Pardon. Mais globalement, même si la profondeur a de temps en temps existé, confirmation que Dortmund a joué bas ce soir. Beaucoup plus oui, bas. Pourtant, Edin Terzic hier avait dit pour prendre l'avantage dans ce match aller, il faudra aller les chercher haut, les Parisiens. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que Dortmund aime bien faire au quotidien. Mais finalement, si on regarde ce soir la carte de pressing des Allemands, le pressing, il a été très intense. Ça, c'est la première chose. Mais vous le voyez, il a été principalement dans le camp allemand qu'on voit en bas. C'est une équipe qui a couru par contre ce soir, près de 120 km au total, et qui a mis énormément d'intensité. Ce qui est dommage, c'est que la double occasion que les Parisiens ont sur le double poteau, c'est sur de la transition rapide. Justement, on a vu les faiblesses. Si nous, on a réussi à les voir, je pense que Lucien Riquet aussi. Et j'ai trouvé cette équipe-là qui ne s'est pas assez projetée assez rapidement vers l'avant. D'accord. Luis Enrique en interview, non, dans un instant. Juste, il faudrait peut-être qu'on regarde l'occasion de Ruiz également, la tête de Ruiz. Ça aussi, c'est une occasion importante dans ce match. On peut parler un peu de manque de réalisme. C'est pas son point fort devant le but, Ruiz. Non. Sa tête, elle est un peu. Parce qu'il en a mis une autre aussi, un peu plus en l'air. Après, je pense aussi que Dortmund a raté quelques occasions. Hein. Je ne sais pas si on va les revoir, mais. Il y a Füllkrug notamment qui a raté une occasion. Il y a aussi peut-être le pénalty ou non sur le contact de Füllkrug aussi. On va voir ça alors, dans un instant. Je surveille Lucien Riquet qui va arriver dans quelques secondes, on l'espère, au micro de Charlotte. C'est vrai que ça aurait pu être pire parce qu'il y a eu quelques occasions aussi pour les Allemands. C'est sûr. Il y a eu un sauvetage de Marquinhos. Sauvetage de Marquinhos qu'on va revoir. La spéciale Marquinhos, comme disait Paul Etchoukriel tout à l'heure. Il est fort pour ça, pour revenir comme ça du diable au vert, se jeter. On avait vu ça contre Barcelone déjà. Hein. Oui. Ça vaut un but. Oui, exactement. Ouais, pour ça qu'il faut se dire que c'est un moindre mal. Hein. C'est un moindre mal parce que quand on voit aussi les actions, là on vient de se concentrer sur les actions de Paris, effectivement, mais sur des actions comme ça, Dortmund aurait aussi pu aggraver le score et on se retrouvait avec deux buts d'écart. C'est pas pareil. Magnifique sauvetage. Franchement. Ouais. Ça ressemble vraiment à celui qu'il a fait contre Barcelone. Sur le match retour qu'il avait fait également au Parc des Princes il y a un peu plus longtemps. Il est de retour Marquinhos. Il a fait un bon match. Compter dans la double confrontation, c'est sûr. Parce que là on est à 1-0, on est à moins de 10 minutes de la fin, dans la perspective aussi du match retour, c'est un geste qui sera peut-être très important. Trouver le cadre. Allez, Luis Enrique arrive au micro de Charlotte Gabas. Allez-y Charlotte. Luis, quand il y a autant d'occasions, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Il y a une malédiction, c'est de la malchance. C'est le football. Et beaucoup de fois, c'est merveilleux. Et d'autres fois, ça arrive comme ça. Mais bon. On aurait préféré dans une meilleure situation, mais il faut analyser les occasions des deux équipes. Ça a été une partie équilibrée. Quelle était l'idée avec le positionnement de Dembélé aujourd'hui? Ousmane, avec sa manière de défendre, on savait qu'il pourrait défendre sur Enrechan. Et les trois attaquants avec trois défenseurs, avec un pivot,
et on voulait avoir un peu de profondeur derrière et bloquer les longs ballons sur Fulcrook. Vous avez des bonnes nouvelles sur Lucas Hernandez? Je n'ai aucune nouvelle pour la santé de Lucas Hernandez. Ça n'a pas l'air très positif, mais on va attendre que les docteurs l'analysent. Vous gardez le sourire pour le match retour, bien sûr. Tout le monde savait que ce ne serait pas facile, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Le vestiaire est un peu affecté, parce qu'en plus on a eu une action avec deux poteaux. Mais à Paris, on a vu nos 3000 supporters qui nous ont supportés tout le match. Il faut reconnaître que c'est un stade exceptionnel, qui a su supporter son équipe, mais à Paris, on sera très fort. Et on n'a rien à perdre. Ça va être chaud, ça va être chaud. Le match retour, vous aviez envie d'avoir les explications de Lucien Riquet sur ce choix. Je disais à Gauthier juste avant, je savais qu'il a fait ça pour Emre Can, mais en faisant ça, en fait, ça crée le décalage pour Julian Brandt et je préfère avoir Emre Can avec le ballon dans les pieds que Julian Brandt, c'est tout. Fulcrook, on l'avait désigné comme l'un des dangers importants. Il l'a été, il a marqué bien sûr le seul but du match, mais pas seulement. Il a pesé beaucoup. C'est créé beaucoup d'occasions. Il a pesé dans la surface, autour de la surface, en point d'appui aussi. Un vrai match complet numéro 9, même si, comme Laure le disait, il y a ce but, mais il a aussi raté peut-être une occasion importante. Une occasion en or, ouais, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il avait été bon et pas que devant le but. On l'avait vu hein, sur tout ce qu'il savait faire. Là, on le voit, il est très juste aussi dans son rôle de pivot, de petite passe, de petite remise de la tête. Après, il disait qu'il voulait empêcher les ballons en profondeur sur Fulcrook. Je trouve que ça n'a pas très bien marché puisqu'il a marqué sur exactement ça. Mais pour faire un match parfait, il aurait pu mettre, je pense que c'est cette occasion, c'est ce ballon en retrait. Là, il aurait vraiment pu faire une soirée parfaite. Il est impliqué sur 7 des 13 tirs ce soir de Dortmund. Ça, c'est très bien joué, par exemple. Une petite remise. Il est précieux. Il est précieux dans le jeu et dans le style de jeu de Dortmund. Alors, pénalty ou pas pénalty? On va revenir, on va voilà. En tout cas, le ballon de 2-0 à l'heure de jeu, là. Celui-là, on a flippé un peu. Hein. Ouais, là, on a hoché. La poussette, puisque vous posez la question, Habib disait pas suffisant pour qu'on siffle. Je suis assez d'accord. Il y a un geste tronqué, en fait, hein, de Nuno Mendes. Vitesse réelle, je pensais qu'il y avait pénalty. Et au ralenti, en fait, j'ai l'impression qu'il se rend compte qu'il n'a pas le bon timing. Et donc, du coup, il surjoue, en fait, une espèce de poussette, alors que Nuno Mendes, qui n'a pas été très bon ce soir, pour ne pas dire autre chose, mais pour le coup, là, il n'a rien fait. Il le touche suffisamment pour le gêner, mais pas pour que ce soit sifflé. Exactement. Et heureusement que c'était un arbitre anglais. Exactement. C'était une garantie de plus pour qu'il ne siffle pas. Le duo Kylian Mbappé-Ousmane Dembélé n'a pas fonctionné dans la rencontre Dortmund-PSG. Dortmund qui s'impose 1-0. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du match Dortmund-PSG. On va également parler du duo Kylian Mbappé Ousmane Dembélé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Le foot sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, le duo Kylian Mbappé Ousmane Dembélé n'a pas fonctionné globalement, certes. Il a tenté des tirs, etc. Mais ça n'a pas souri, ça ne lui a pas souri, ça n'a pas souri à Kylian. Et franchement, le PSG, j'ai envie de dire même que le PSG s'en sort très bien. Le PSG dans ce match, ça pouvait être 2-0 puisque Fulcrook rate une occasion vraiment nette, presque en fin de match. Et pour moi, s'il met le 2-0, ce n'est plus la même chose. Puisque remonter un but et remonter deux buts, pour moi, ce n'est pas la même chose. En termes d'approche de match, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Et Ousmane Dembélé, les gars, il a fait Ousmane Dembélé. Il a raté des occasions nettes. Notamment, il y a une occasion là qui me vient à l'esprit, là où il doit beaucoup en faire mieux, mais il met le ballon à côté. Donc, le duo Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, ça n'a pas fonctionné. Ils ont été plus ou moins muselés. Tu as également la bonne défense de Dortmund. Oui,
quand c'est aussi solide, il faut apprécier. Moi, le premier, moi, je ne pensais pas que le Borussia Dortmund pouvait être solide défensivement. Ils n'ont pas pris de but. Ils n'ont pas pris de but les amis. Pourtant, on les avait prédit l'enfer. Tout le monde savait que le Borussia Dortmund, notamment le défenseur centraux, Matt Hummels, il est trop lent. Tout le monde savait que la vitesse de Kylian Mbappé, de Barcola et de Ousmane Dembélé devait faire très mal à cette équipe du Borussia Dortmund. Sauf que cette équipe a su bien gérer la profondeur. Cette équipe a très bien défendu, même comme ils ont concédé quelques occasions. Mais globalement, le PSG, c'est seulement 3 tirs cadrés. Le PSG, c'est seulement 3 tirs cadrés. 3 tirs. Ça montre à quel point cette équipe du Borussia Dortmund, ils ont vraiment su contenir ce PSG-là. Ils ont su contenir ce PSG-là. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi Lucien Riquier ne lance pas Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos, c'est ton buteur. Il est en forme, en championnat. Chaque fois que Lucien Riquier fait appel à Gonçalo Ramos en championnat, il marque quasiment. Mais en LDC, lorsque tu as besoin du but, tu sors Barcola pour mettre Colomani. Au lieu de mettre un avant-centre qui va peser sur la défense, un avant-centre qui va recevoir les coups de pied arrêtés, tu as un Hakimi qui peut distiller le bon ballon à Gonçalo Ramos. Tu as Nuno Mendes qui peut distiller le bon ballon à Gonçalo Ramos. Pourquoi tu ne veux pas Gonçalo Ramos? Donc, je ne sais pas pourquoi Lucien Riquier ne veut pas confiance à Gonçalo Ramos. Je n'en sais vraiment pas. Je n'en sais vraiment pas. Puisque c'est un joueur qui il a toujours répondu présent globalement. À chaque fois que le coach a fait appel à lui, il a toujours répondu présent. Je ne comprends pas pourquoi Gonçalo Ramos, le coach ne lui donne pas sa chance dans le gros match de LDC. C'est un joueur qui joue très peu. Il joue vraiment très peu en LDC. Donc, le PSG, les amis, ils perdent donc 1-0 sur la pelouse du Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund qui a deux visages, je l'ai dit dans ma vidéo d'avant-match. C'est une équipe bipolaire. Ils sont capables du bon comme du moins bon. En championnat, ils sont mauvais. Ils sont mauvais en championnat. Lorsque tu t'appelles le Borussia Dortmund, tu dois directement concurrencer le Bayern de Munich. Au pire des cas, tu dois être troisième. Et là, ils sont cinquième. Ils sont cinquième de Bundesliga. Cinquième de Bundesliga, pour moi, ce n'est pas digne du Borussia Dortmund. En Champions League, ils présentent un autre visage. Cette équipe est vraiment à deux visages. Ils sont à deux visages. Après, tout n'est pas fini pour le PSG. Tout n'est pas fini pour le PSG. Un but à remonter, c'est rien. Surtout que tu vas jouer au match retour chez toi au Parc des Princes. Donc, il y a encore de l'espoir. Il y a largement de l'espoir même. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.